Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là on est arrivé, enfin on est à la mosquée de l'imam Abu Hassan al-Shadhili. Donc, comme d'habitude, on est obligé de se justifier parce qu'en fait, le but de venir ici, pour ceux qui se poseraient la question, c'est de renouer. C'est de renouer avec notre patrimoine. Il faut savoir que c'est des gens qui sont dans la chaîne de transmission du RIN. Regardez ici par exemple, on a le Hikem. Regardez ici, Hikem Junaidi. Donc l'imam Junaid, l'imam Ibn Taymiyyah le valide. Donc ça ce serait Abu Hassan al-Shadhili. Il y a des notes sur lui. Mustafa Mahmoud, le Cheikh Abdul Khalid Mahmoud, il y a des tiens sur lui. Voilà. Donc on y est. Alors désolé pour le son. J'étais censé avoir un micro mais ça ne marche pas. Donc vous voyez. Celui qui est là d'ailleurs, pas filmé. On est venu avec le Cheikh Yousri pour faire découvrir, parce que moi personnellement, vous voyez, les gens sont là. Donc. Donc voilà, tout simplement. Les gens lisent les awrad en général de Abu Hassan al-Shadhili. Fait dua auprès des tombes, on considère que c'est un jardin du paradis. Dans le jardin du paradis, les dua sont acceptés tout simplement. Les dalils sont tous là, mais ce que je comprends pas, c'est que les gens se privent d'eux-mêmes. Donc je vais vous faire découvrir encore qu'est-ce qu'il y a de bon ici. Voilà. Vous voyez, en fait c'est un endroit très, ça c'est un frère qui est avec nous, frère de là où il y a Charles, là. Donc voilà, je suis le prophète Sarsalem, on a fait la hada tout à l'heure. Ah oui, d'ailleurs là, il nous dit quoi? C'est obligé de traduire. Tout simplement, il y a un amour en nous qu'on n'arrive pas à décrire, qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est juste ça. Quand je parlais, bon, bref, je vais pas. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous, quand on appelle à l'islam, il faut d'abord qu'on connaisse bien notre Créateur, d'accord? Et qu'on connaisse bien notre prophète, Azzat Salam. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que si on ne connaît pas réellement notre prophète Azzat Salam, eh bien, quand on va appeler, quand on va le présenter aux gens, eh bien, les gens, ils vont pas se sentir concernés par ce prophète qu'on lui présente. D'accord? Non pas pour faire plaisir aux gens ou pour donner, pour leur présenter un prophète qui ressemble à Isa alayhi salam, ou alors prophète qui serait comme Isa alayhi salam pour faire plaisir aux chrétiens. Non, pas du tout. Mais tout simplement pour déjà savoir que le prophète alayhi salam, il a un degré au-dessus de Isa alayhi salam, de 1. Et qu'est-ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre, vous voyez, c'est très montagneux, mashallah. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, je sais plus.
fait, ici, il y a plein de... Il y a plein de... Comment ça s'appelle? Des sahats. Des endroits dans lesquels, en fait... Parce que, comme vous savez, les Chazoulia, il y a plein de branches. Il y a plein de branches. Énormément de branches. Donc, chacun, ils ont leur... Vous voyez ici, vous avez les... Vous avez écrit. Sada. Jazoulia. C'est le même Jazoulia de celui de Dalai le Khayrat. Donc, eux, c'est vraiment basé sur la salat à la Nabi, alayhi salatu wassalam. Vous voyez? Non. Donc, je disais... On veut leur faire plaisir, leur présenter un prophète. Voilà ça que je voulais dire. C'est que même, je l'ai dit plusieurs fois, donc ça c'est le groupe de Nashid. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est le groupe de Nashid là. Je vais vous montrer quand je ferai les montages du chat. Et ici donc devant on va aller à la Saha où il y a la nôtre quoi. Tu vois chacun il a tu vois, c'est un coin comme ça. Il y a des montagnes. Et sachant qu'ici, alors je disais, Ubay Ibn Saloul, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il exagérait et que c'était à croire qu'il voulait qu'on l'adore. Comme on adorait, comme les gens adoraient ça, Ibn Maryam. Ça, c'est les paroles des hypocrites. Et Annie, c'est les hypocrites, enfin, ceux qui ont une part d'hypocrisie, non pas qui sont foires, mais qui considèrent que le moindre éloge qu'on fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait le considérer comme une divinité. Non. Notre but, c'est pas de faire plaisir à quoi que ce soit, mais c'est la réalité. D'accord? Et tout ça, il y a des preuves. D'accord? Parce qu'il y a des frères à qui j'ai parlé du livre Al-Shifa fi Huquq al-Mustafa, ils ne connaissent pas. D'accord, du Qadi Riyad. Parce que, justement, depuis des siècles, il y avait un besoin qui s'était fait ressentir de signaler, de préciser. Ah ouais, j'ai pas oublié de vous dire ce que j'ai filmé ici, c'est. Regardez la scène de transmission, les frères. Auprès de l'imam Chazoli, donc. Qui était là il y a plusieurs siècles, moi je connais pas par cœur. Mais ici on a quoi? Voilà ce qu'on a. On a eux deux. Voilà. Cheikh Sadiq Omari, le cheikh de mon cheikh. Et Cheikh Sadiq Omari, il a donné tariqa. En fait, Cheikh Yousri, il a pris de Cheikh Sadiq Omari et Ali Jouma aussi. D'accord? Et c'est là leur saha normalement. Maintenant on va à celle de. Où il y a Cheikh Yousri. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, voilà, vous vous renseignez. Abou Hassan Chazili, qui il était exactement. Je ne suis pas Wikipédia. D'accord. Juste là pour vous montrer que là, en fait, il était au chemin du pèlerinage. Et que. Il était au chemin du pèlerinage et. Il est mort en chemin. Il a demandé à mourir dans une terre où jamais personne n'a désobéi à ce point-là. Et pour cause, bah, c'est des terres complètement désertiques. Ceux qui ont déjà voyagé hein, au-dessus de l'Égypte et vous voyez que c'est des terres complètement inhabitées, arides. D'accord. Ça c'est un début sur lequel on était. D'accord. Donc voilà. Donc ici on est pas loin. En fait il y a la mer qui nous sépare de Médine. D'accord. C'est les anciens chemins du Hajj. Thank you.